Ah oui, tiens, moi, Rhino Prime, j'en ai deux. Et toi, c'est quel? Non, non, j'en ai deux. T'as deux morceaux. J'ai deux schémas des de neuroptiques. Eh ben, j'ai un châssis et un système. Si t'as un plan complet, tu peux t'en fabriquer un. Moi, non, j'ai pas les plans. Moi, j'en ai quatre des plans. Eh ben, j'ai les re... Allez, on commence par une petite feature méso, là, espionnage. Ouais. Il y en a une qui est tombée, là. Oui, pourquoi j'ai pris cette warframe, moi, j'y vais avec le... Ah, tu me laisses entrer? Oui. Et transformez-vous. Transformez-vous. Voilà. Alignez-vous. Merci. Dans l'ordre. Une fois sur un mec qui m'a dit mais il est bien l'emprunt. J'ai fait ouais c'est bien l'emprunt. T'as pas besoin de viser et ça. Ça passe. Oh les facile celui-là. Oh, bah vas-y je te laisse. Je le rate la couche sur 3 donc je prends. On fait B. Un peu, on serait trop sympa à B. Ah, tiens. Ah, oh, B, il est très facile. Oui, je le fais sans problème. Je vais faire celui-là. Le saut, 1, 2, c'est fini. Je vais du bon côté. Gagné. Yeah, c'est bon. Rentrez pas dans la zone. Ouais, rentre pas. Mais c'est monsieur là. Donc, faut pas rentrer. Parce que dès qu'on est deux, ça enclenche le compte à rebours. Il a pas été un bon endroit. Mission complete. Excellent work, Tenno. Scattering Inferno, bah c'est pas mal ça. Ah, T1. J'aime bien les T1. Ouais, il me manque le baril là de la T1 à voir. Le baril? Ouais, le baril, le canon du coup. Baril, c'est quoi ces canons? Ça me fait penser, en jeu de rôle, on a un personnage qui a innové. Il a empalé une fée sur son épée et après il l'a balancée sur un autre ennemi. Et il l'a touché. Hein? Bah alors, il faut que je lise quoi alors? Manuel des joueurs et guide du complexe Alpha. En gros, dès que tu vois. Ok. Wow, ça c'était un beau rouge pétant. Le truc qui est de base, de paranoïa, c'est vous vous réveillez, vous êtes un clone, vous savez que vous avez 5 autres clones en réserve, vous avez un niveau d'accréditation qui correspond à l'une des couleurs de l'arc-en-ciel, plus infrarouge et ultraviolet. Plus vous êtes proche de l'infrarouge, moins vous avez droit, plus vous êtes proche de l'ultraviolet, plus vous avez droit. Et vous vivez dans un monde parfait, géré par l'ordinateur qui ne veut que votre bien. Et qui va vous demander d'effectuer des petites missions, parce qu'il y a des terroristes et des traîtres. Cherche à détruire cet équilibre parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Le souci, c'est que l'ordinateur il est un petit peu parano parce qu'il a tendance à avoir des traîtres un petit peu partout. Et la mission des joueurs c'est de faire ce que demande l'ordinateur. Oui, sauf que là par exemple, t'as un système de trophées. Ça veut dire que. Par exemple, au début de l'émission, on va te dire tu peux avoir un trophée de celui qui a arrêté un incendie. Et de t'arrêter uniquement à la section infrarouge parce que bah, vous commencerez le jeu si un jour... Avant le guide des joueurs. Ouais, parce que le guide du complexe Alpha, il te... Oh. Oh. Bien. Oh. Oh. Merci Mathieu. On l'attendait pas celle-là. On n'a jamais... Je l'avais déjà. Moi je l'ai pas, c'est gentil. Et en plus, l'N6 drop la même chose qu'avant. Mais non, mais je l'ai plus. Mais si, je l'ai pas, mais je l'ai pas parce que je l'ai construit. Bah, tu la revendras, ça coûte 100. Ça vaut 100. Hey, il y en a qui ont récupéré un châssis d'Ivara. Il va être content. Ennemi. Ouais, donc c'est juste pour terminer. Donc le but du complexe Alpha, tu lis juste pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Et après, bah, tu lis le manuel des joueurs. On fit un tour comme ça en choisissant que des. Une fois que tous les joueurs ont choisi de choisir rien, on choisit les 2, les 3, les 4 et les 5. Sachant qu'on n'a pas le droit d'avoir une compétence positive ou négative et inversement. On a le droit de négocier des éléments du jeu, et c'est précisé uniquement des éléments du jeu, on n'a pas le droit de négocier des chips ou autre. Hein. Moi si c'est des chips du coup.
pour demander à un joueur de ne pas faire tel ou tel choix. Mais l'idée, c'est vraiment de gros défouloir. Dystopie faussement utopique, avec un grand ordinateur tyran qui a l'air de balancer des phrases un peu n'importe comment. Je me suis dit, ça a l'air bizarre. C'est la première fois où je vois un guide du maître qui dit bon, alors ça c'est marqué dans le livre des joueurs, mais en fait c'est faux. Ça c'est marqué dans le livre des joueurs, mais en fait la vraie règle c'est ça. Et il y a 2-3 trucs comme ça de temps en temps qui sont mis comme ça au pif. C'est génial. Et pareil. Et tu dis ça à un futur joueur. Oui, vous mettez votre ordinateur. Ah oui. Hein, qui c'est qui me vole mes kills? Je vole pas de kills. Hein. Pas moi. Moi je tire sur des ennemis mais je vole pas de kills. V5, Lit V5, NON6, NOL1. C'est pas trop mal, hein. C'est des kills quand même. Another job well executed. Est-ce qu'on se fait la mission pour avoir l'étal torrent? Je vais regarder, mais je crois que je l'ai celui-là. Moi aussi. Comme je n'ai pas compris la question, je vais dire oui. Ah, il y a quelqu'un qui est. Peut-être que je fasse un peu mieux le ménage quand je passe, moi. Non? Ah, bah zut. Oh, je te couvre. J'ai pas de problème de bouclier. Oula. Moi de mon côté, donc putain, je l'ai pas vu. Je peux vous nettoyer les salles. Ben, ça va vite, hein. Attends, j'en ai un qui est devant et un qui est derrière. Attends, j'allume la carte. Non, c'est qu'il y a un mec qui a bourré en fait. Je le suis depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est à vous deux, vous êtes derrière, d'accord. Oui, bah t'attendras pour ouvrir la porte. Hein. Let's go home. Ben, voilà. Oh! Qui m'a tué? Oh! Ah, j'arrive. Il est passé à côté de moi et tout d'un coup. Pourtant, il n'y a pas d'ennemi. Ah, bien! Le gars il rush, il enferme ses potes derrière! Bravo! Il est con ce mec! Il a l'air stressé, surtout. Bah oui, bah. Tu peux nous attendre, oui. Juste pour l'emmerder jusqu'au bout. Parfait. Tu sais que j'ai hésité. Leader, je joue à. Bah, Dark Souls, tu verras ce que ça veut dire, Git Good. Je suis dégoûté parce que je me suis renseigné que après pour savoir ce qu'il fallait prendre comme école pour farmer justement les écoles. Et l'école la plus intéressante pour les dégâts, c'est la moins intéressante pour le farm. Parce que la technique apparemment, c'est de prendre une Warframe ninja et de faire de l'assassinat en... Ah, ça marche bien, hein. Ah ouais. Et apparemment, ça monte très vite, donc... moi, j'ai monté les Warframes de ninja et j'attends de voir un petit peu lesquelles sont les plus efficaces. Le H et le Loki, les deux possèdent un pouvoir pour se rendre invisible, et les deux possèdent un pouvoir pour, entre guillemets, se téléporter. En fait, il y a deux techniques, soit t'es invisible, soit les ennemis te voient pas. Et en fait, la deuxième technique, c'est que les ennemis te voient pas, par exemple, le sommeil de Equinox. Et avec un mode spécial pour Equinox, on peut faire en sorte qu'à chaque fois qu'un ennemi qui était sous l'effet de sommeil meurt, et ben il transmet l'effet de sommeil à la cible la plus proche. Il faut 50 000 pour débloquer une nouvelle école. Ah, c'est tout? D'accord. Ah, c'est assez long en fait. Hein. Là, je suis en train de farmer 120 000 pour débloquer le niveau 5, donc... Ouais, mais t'as déjà la compétence qui fait que ça farme bien en fait. Moi, je l'ai pas, justement. Oui, effectivement, je suis déjà à plus de 20%, ouais. Ouais, voilà. Donc là, moi, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'ai des lentilles Age Golon. Donc là, je suis en train de fabriquer une lentille Eidolon pour la marronne, pour la monter très vite. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, profitez des coups critiques en solde. Ah,
C'est Mesa qui fait ça. Bon, y a un Mesa dans l'équipe qui fait des boules, des trucs super lâches. Une Neware, hein. C'est pas ce qu'on cherchait, mais on a eu quelque chose. Comme toute façon, moi, j'attaque plutôt à distance, donc faut quelqu'un d'autre qui ouvre la marche. Enfin. Ok, ben moi je prends la clé bouclier et je vais me mettre en immortel la plupart du temps. Faut que j'ai juste assez d'énergie. Ok, ben Seb. Je prends la clé des dégâts. Wow, puis la clé fait tellement effet que ça se voit même dans le vaisseau. Bon bah je vous attends. Mais il faut aller où? Marcher sur les dalles. Sur les bonnes dalles en plus d'ailleurs. Ah. C'est en train de se fermer la porte. Elle est bonne. De l'autre côté, à chaque fois je me plante. Bon. Bah, c'est le gars le plus lent qui arrive en premier. C'est parce que chaque fois je pars à gauche alors qu'il faut aller à droite. Eh ben papy, il marche pas vite mais il sait faire des roulades. C'est ça. Mes pieds sont ralentis et pas mes rotules. J'ai pas trouvé le bouton pour arrêter l'électricité. Oh non 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 non. Ah. Aïe aïe aïe. Non mais tu... Non non mais tu vas pas nous faire le coup là maintenant. Seb, tu vas pas nous faire ça, hein. Cadeau en plus. Ah, moins de vie. Au moins le cadeau. Alors, c'est quoi le cadeau? C'est pourri.